Bonjour à tous les amis. Bon, cela fait plusieurs semaines que je suis en train de filmer pour réaliser une petite vidéo. Voilà. Et pour moi, ça va être une vidéo inédite sur la pêche du saman. Bon, dans cette vidéo, vous verrez de la touche en direct, une sélection de leurre que j'utilise. Et après, nous verrons comment je procède sur le sondeur directement pour arriver à attraper les cendres en direct sur le sondeur. Voilà. Bon, au niveau du réglage de mon sondeur, en fait, là, tout ce qui va se passer à l'instantané, en direct, ça va se passer là. Quand je vois les poissons monter, en fait, je vais vous annoncer, les poissons monteront là, direct. Tout ça là, c'est ce qui est déjà passé. Là, on voit bien la ligne du fond. Et pour les réglages, en fait, sur ce sondeur, c'est un Helix 10. J'appuie sur menu, en fait, et je vais beaucoup jouer par rapport à mes leurres sur la sensibilité. Plus selon le courant, selon le vent, et selon le grammage aussi que j'utilise, quoi. Plus j'utilise un faible grammage, plus je vais monter. Après, plus vous allez monter, plus il y aura de perturbations sur le sondeur, quoi. Et les poissons seront démesurés. Alors donc moi je monte pas plus de 11 au niveau de la sensibilité. Voilà. Là je vais me mettre à 8 par rapport à mon grammage. Après, vitesse de défilement, je la mets à 5. Pas besoin d'aller vite. Ça me sert à rien. Et l'image est plus propre. Plus je vais réduire et plus l'image sera propre. Pour moi. Mode jigging, non, j'utilise pas. Après, la couleur, c'est comment vous voulez. J'appuie deux fois sur menu. Tout ce qui est alarme de fond, là je touche rien du tout. Je vais juste aller là-dedans. Je vais me mettre sur la fréquence 2D en 83 200 Hz pour prendre vraiment bien large, et fréquence d'image en 800 kHz. La sensibilité surface à 5, je la touche pas. Je veux pas que ce soit trop sensible, ça ne sert à rien. Boîte d'effacement ensuite fire, pas besoin. Idée poisson inactif, comme je fais directement à vue au sondage, je ne veux pas que ça m'indique les poissons qu'il y a. Et sur la fenêtre RTS, j'utilise un mono. Après, vous pouvez tout aussi bien utiliser en couleur complète, quoi. Toujours pareil. Et vue du fond, ligne blanche. J'utilise la ligne blanche pour vraiment voir les poissons posés vraiment sur le fond, quoi. Largeur de la fenêtre étroite. Et après, c'est tout ce qu'il nous faut savoir sur le sondeur au niveau des réglages que j'effectue. Il n'y a pas besoin de beaucoup de réglages. Là, je vais remettre sur mono. Voilà. Et là, je quitte.
la pêche en verticale, on utilise des cannes Dunky Yurei en 5-20 grammes, 1m90. C'est des très bonnes cannes, il y a une très bonne résonance. Équipé d'un moulinet Gunky avec de la tresse Peson et Michel en 8 centièmes. Et comme leurre, en général, en ce moment, on utilise des Gunky G-Bump qui sont des très bons leurres. Bon, tout d'abord, les leurres que j'utilise, j'ai beaucoup utilisé en fait le Rubichon. Comme ça, c'est vraiment un leurre, il n'y a pas besoin d'avoir trop de courant en vertical, il nage vraiment très bien. Le Krubi en cette couleur blanc, le marron aussi que j'utilise, et le Resgos qui sont de très bons leurres que j'affectionne particulièrement. Après aussi, j'utilise beaucoup, on va dire, le Jebun, voilà, en blanc à 8 cm. Après la taille au-dessus en 10 cm, couleur chartreux, mais aussi cette couleur aussi qui fonctionne très bien. Et pour les têtes plombées, je vais utiliser beaucoup pour la pêche en vertical les têtes G-Sly, voilà, comme ça, avec sa forme en pointe, ça fend vraiment très bien l'eau. J'utiliserai ça. Après, il y a d'autres têtes plombées aussi. Comme ceci, ça j'utilise beaucoup quand il y a vraiment beaucoup de vent pour vraiment rester à la plomb et arriver à avoir mon leurre sur le sondeur. Voilà. Ça. Après aussi il y a des petites lampes comme ça avec palette derrière, très efficace sur les perches. C'est le fond. Non. Oh bon. Putain, il est énorme. Mais c'est un silure. C'est un sang. Masse. Oh, il est beau. Il est beau. Ouais. Bravo. Ouais. C'est joli, non? Non.